L'ambassade de Turquie à Moscou cible des projectiles et des invectives de plusieurs centaines de manifestants. Ils se sont brièvement rassemblés devant la représentation diplomatique d'Ankara, jetant des œufs, des tomates et des pierres sur l'édifice et brisant des vitres. Pour ces Russes, la mort d'un des deux pilotes de l'avion abattu par l'armée turque est un meurtre injustifiable. Pour moi, c'est l'ambassade des meurtriers, de gens qui, au lieu d'être des partenaires honnêtes et dignes de confiance, affichent un sourire carnassier. Pour cet autre manifestant, la Russie se doit de réagir, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, la Russie est dans une situation telle que si elle tolère ce crachat en plein visage, elle perdra son autorité et son influence. Mais si elle opte pour des représailles, tout le monde dira que la Russie est un agresseur, comme toujours. La manifestation n'a pas fait de blessés, mais elle illustre l'ampleur de cette crise, la plus grave depuis le début de l'intervention russe en Syrie, fin septembre.